Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme son nom l'indique, une page scrapbooking. Je vous lance ce papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Pour cette page, je vais prendre cette page là. J'ai pris au hasard dans un blog, je ne sais même plus c'est lequel, c'est le Work Travel. Je vais prendre une page blanche que je vais coller par dessus comme ça. Hop. Pour faire un côté blanc, un côté page imprimée, on va dire. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu prendre une feuille 30 blanche et coller par dessus la petite bande que j'avais envie. Là j'avais une chute, donc j'ai favorisé le recyclage de chute. Voilà, hop, je couperai après. Je vais prendre un peu de gesso parce que je vais utiliser de l'eau juste après. Hop. Ouais, j'ai du caca jaune là. Ça va que c'est ce que j'ai besoin, mais là pour le fond, je vais utiliser un truc que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est du Brusho, alors lemon. Couleur lemon, alors ça fait normalement jaune. Je vais saupoudrer un peu, hop. J'espère que ça va donner bien. Et je vais la mélanger avec du H2O, alors c'est pareil, du H2O olive vine. Ouais, c'est vine, hein, c'est pas wine, hein, c'est KV. Alors si il veut bien s'ouvrir, parce que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez pu remarquer que mes H2O, je suis obligé de les ouvrir à la mode sauvage, parce que je les fais pas sécher, je les referme pas, je les referme quand ils sont pas secs, et donc en fait ça coule sur le truc, voilà, et je suis en train de me prendre la tête avec ça. Voilà, j'ai réussi enfin en cassant une partie du truc quand même hein. Donc si vous avez encore des H2O que vous utilisez ça, je conseille de les faire sécher avant, parce qu'en fait, mais non, ça le pire c'est qu'il n'y a rien, ou c'est que ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas utilisés. Donc moi je les utilise en mettant de l'eau un peu à l'intérieur, et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi de l'eau là pour dissoudre le Brusho. Donc voilà, vous pouvez voir que ça fait jaune. Je vais faire couler tout ça. Alors j'ai de la chance parce que là le jaune, voici, il y a quelques pigmentations là de orange ou de jaune, je sais pas, mais en fait ce que j'aime pas avec les Brusho souvent, c'est qu'il y a on va dire deux couleurs différentes dans la pigmentation, et ça je n'aime pas, parce que quand on veut du jaune, on veut du jaune, on veut pas des points de genre par exemple de rouge. Donc voilà, bref, je raconte un peu trop ma life. Je vais mettre du vert dedans. Peut-être un pinceau, comme ça je vais pouvoir faire ça, remettre de l'eau et faire des taches. Bon, comme d'hab, hein, c'est totalement freestyle. Commence à me connaître, hein. Bon, je vais sécher ça. Je vais faire un petit peu de fond quand même. Alors là, tampon alpha fond, je vais prendre du jaune ou du orange, du miel. Allez. Hop. Je vais pas en faire beaucoup. C'est juste pour refaire sortir un peu. Pas refaire sortir. Non, pour travailler le fond tout simplement. Hop. Bon, le marron me plaît, mais pas assez, donc je vais utiliser du noir. Hop. Je vais faire quelques petites... Oh, il n'est pas droit comparé à l'autre. Voilà, ensuite, alors je vais poser, je vais nettoyer après. Je vais utiliser des petites, petites grandes flèches de ce tampon-là. Changer, hein, il y a plusieurs styles, donc faut autant utiliser les trois. Hop. Je pourrais même en faire des jaunes ou des... Ouais, je vais voir après. Donc du jaune, on va tester ça. Là, je vais prendre une autre. La petite, elle est bien. Ouais, en fait, je les fais pas droite et en gros, ça gâche un peu le truc. Ouais, là, on la voit pas. Et en plus c'est la même que celle-ci, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et en fait j'ai mis la même à côté de l'autre. Voilà. Je vais prendre des vieux masking tape histoire d'en utiliser un peu. Et je vais en fait faire la bande qui est juste ici. Hop. Le truc, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé, il est tout collé. Hop. Alors ceux-là, si je me rappelle bien, ils sont pas top, mais j'ai que ça en fait. J'ai ça en vert. Ouais, ça va pas du tout aller avec la photo, je crois. Puis c'est pas grave, je vais mettre un peu de celui-ci. j'ai du gris ou j'ai du noir. Au pire, on va partir sur du noir. Je vais prendre des chutes et je vais faire un fond pour ma photo. Alors j'aime bien ce côté déjà déchiré là. Par contre il faudrait genre ça. Là j'ai quoi? J'ai du foncé et là je vais le couper net, laisser juste une petite marge. Ouais, j'ai vraiment laissé une petite marge. Là, j'ai quoi d'autre en chute? J'ai celle-ci. Celle-ci, ça fait déjà papier déchiré. Et là, celle-ci c'est bois, mais c'est juste au-dessous. Alors je vais prendre ça. Ah bah tiens. Sinon je vais faire l'inverse. Je vais couper un peu plus grand que celle-ci. Voilà, donc normalement ça devrait le faire. Ouais, je vais les gratter. Hop, hop, un ciseau qui est juste ici. Par contre, ouais, ça me... Attends. Attends, toi. Ouais, je dis attends la caméra. Ouais, mais ça va me bouffer quand même toute ma partie, en fait... Alors que si je fais que celle-ci, celle-ci, et au pire bah, je vais la retailler celle-ci. Voilà. Puis là, je vais les mettre un peu de travers, sachant qu'il n'y a rien ici. Hop, tac, tac, tac. Je vais les coller au pistolet à colle directement, vu que le pistolet à colle est chaud. Sur une chute de papier, j'ai fait un petit peu le fond, ça ressemble au fond, et je vais faire cette plume là pour la coller un peu sur le... Bah un peu, non c'est pas un peu, c'est pour la coller sur le côté. Hop. Hop. Fais voir ça là. Pour avoir le... Je vais tester, je vais faire la même mais que je vais décoller, que je vais mettre un peu en à côté pour voir ce que ça donne. Allez, je découpe ça. Voilà, mes petites plumes sont découpées. J'en ai profité aussi pour faire un petit mot donc avec cette planche là que je vais poser ici avec les deux plumes par dessus, et je vais voir si j'ai sûrement un petit badge à coller au milieu, donc le unique. De toute façon il va là, hop, celle-ci. Voilà, et une petite libellule. Alors oui, c'est pas non plus ce qui va le mieux, mais je trouve qu'elle va très bien dans le... Ça représente pas une libellule sur la photo, mais je trouve que ce badge va très bien sur cette page. Donc voici de plus proche. Alors comme je vous disais, hein, regardez, je trouve que ça va très bien. Donc voici ma page, comme vous avez pu la voir. Qu'est-ce que j'ai utilisé de chez c2mstencil.fr? J'ai utilisé le tampon alpha fond, le tampon plume plus flèche, et aussi le tampon plume flèche aussi, le tampon dim-o pour le titre, et un petit badge libellule. Alors je pense que sur le coup, je ne sais pas ce qu'il y a en stock. La libellule, je ne pense pas. Le dim-o, je pense pas. Le reste, je pense que oui. Le plume puce flèche, c'est sûr. Mais le alpha fond, je crois qu'il m'en reste qu'un seul en stock. Voilà, c'était pour le côté info trafic de la boutique. Voilà. J'espère que cette petite page vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé à l'aide d'un pouce bleu, d'un commentaire, d'un partage, d'un abonnement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.